Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. Les bourses des étudiants chercheurs d'INCAD sortiront ce mois d'avril. D'après le président de l'Association des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et le porte-parole des étudiants du département d'économie, de gestion et de sociologie. Quelques députés de leurs districts respectifs exigent le limogeage de certains gouverneurs de leur région d'appartenance, d'après une source. Une hausse galopante du prix des produits de première nécessité a été constatée ces derniers temps, selon les représentants de la population locale. Le prix du savon, entre autres, a été affecté par cette inflation galopante. Dans son rapport publié ce lundi, l'ONG décrit une dégradation des conditions de travail des journalistes. Les médias locaux et internationaux sont pris en étau entre les menaces djihadistes et la pression des autorités. À la une des actualités, quelques députés de leurs districts respectifs exigent le limogeage de certains gouverneurs de leur région d'appartenance. D'après une source, le lobbying et les propositions de noms d'éventuels remplaçants foisonnent actuellement, d'après les informations reçues. En l'état actuel des choses, seul le président de la République peut trancher en matière de remplacement des gouverneurs, selon toujours les précisions recueillies par Zo Rabartman. Après le remplacement d'il y a un mois de quelques gouverneurs, des rumeurs circulent actuellement sur la possibilité d'une seconde vague de limogeage de gouverneurs. Pour le cas de la région de Menabe, c'est le député élu dans le district de Mourndav en personne qui exige le remplacement du gouverneur de Menabe en exercice, Luki Serge Ranjiansu, et il aurait déjà proposé des noms de successeurs potentiels. Plusieurs noms de candidats ont été avancés en ce moment, comme celui de Mam Clavé, le candidat malheureux à la dernière élection communale. Un autre nom qui circule également, d'après une source, serait celui du sénateur de la province de Tuléard, encore en plein mandat, Mahond Laurent. Le nom de Koul Fridjof, un autre candidat à la dernière élection communale de Mourndav, a également été cité. Il a été maire de Mourndav pendant 4 ans avant l'élection communale de 2019. Le directeur régional de l'eau de la région de Menabe fait aussi partie des candidats proposés pour remplacer le gouverneur de Menabe, d'après les informations. Il est en poste depuis 1 an et demi et a pu améliorer l'accès de la population à l'eau potable dans la région de Menabe. Des lobbyings sont en cours en ce moment pour déterminer quel sera le prochain gouverneur de Menabe, d'après toujours une source. Toujours est-il que c'est le président de la République qui aura le dernier mot dans cette affaire. D'autre part, des députés de Majunga exigent également le départ du gouverneur de la région de Bouin, d'après toujours les informations recueillies. La fuite d'un enregistrement sonore relatif à la discussion entre le président de la République, Indra Dzuin, et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Serge Ajolé, provient du groupe WhatsApp de la gendarmerie elle-même, selon le directeur de la police judiciaire auprès de la gendarmerie nationale. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie avait partagé cet enregistrement sonore pour que la directive du président de la République soit bien claire. Mais une fuite a eu lieu, d'où le partage sur les réseaux sociaux. Aussi, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête y afférente, laquelle est prévue s'achever d'ici quelques jours. Une quinzaine de personnes ont déjà été auditionnées sur les quelques 80 membres du groupe WhatsApp de la gendarmerie nationale. La divulgation de secrets ainsi que l'atteinte à la sécurité publique constitueront les charges des poursuites à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans cette fuite, selon les précisions.
Les bourses des étudiants chercheurs d'INCAT sortiront ce mois d'avril, d'après le président de l'Association des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et le porte-parole des étudiants du département d'économie, de gestion et de sociologie. Selon les informations, les étudiants recevront leur allocation d'équipement ainsi que 4 mois de bourses. En ce qui concerne les réclamations pour le paiement des bourses de l'année universitaire 2021-2022, les étudiants n'ont reçu jusqu'à présent que les promesses sont garanties du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En dépit de la situation, les étudiants de l'Université d'INCAT n'ont pas l'intention de tenir une grève afin d'éviter les débordements. Ces étudiants sont prêts à poursuivre les négociations avec le ministère de tutelle. Eo ambany fehiny filoha jeneraly nivondra TV Plus Madagasikara. No sady filoha lefitra ny antemeran-dolonan'i Madagasikara, Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Ankalaza ny 50 taonan'ny jiroany aketo an-tanànan'i Tomasy. Avokavoka ara-toekarenan'i Madagasikara ny TV Plus Tomasy. Hisy arak'izay ny alim-pandizana magnetriketrika sy fiaraha-misakafo ao amin'ny efitrano malalaka ny pakta ny Tomasy. Ny zoma 28 aprila 23 sy 2 arivo. Manomboka amin'ny sivora aligny afanainy taraka kayamba tegna izy mpampandeha efa fantadaza any ivelany sy aketo Tomasiny DJ Anne ary andravaka ny fety ny filatroagna fitafiagna Betsimisaraka ny lanonana dia andeha mivantagna amin'ny TV Plus Madagasikara ka tegna miavaka ny fiarahantsika amin'io e ny tapakila fidirana dia efa azo jifaina ao amin'ny biron'ny TV Plus Madagasikara Antananarivo sy amin'ny biron'ny TV Plus Toamasina Ambodipon Ankihiriry izay tsy ho avy amin'io ekro manegnina e ny laragna fangalagna hevitra 03207-387-93 na 033-02-387-92 na 0222-676-73. Partenaire officiel SMMC, SPAT, Fatantinana. Partenaire Madaklin, Bijouterie Ravak, Soa Trans Plus, Commune Urbaine Thomas. TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Une hausse galopante du prix des produits de première nécessité a été constatée ces derniers temps, selon les représentants de la population locale dans le district de Suavnanjina Itas. Le prix du savon, entre autres, a été affecté par cette énorme inflation. Pour faire face à cette situation, la population de Suavnanjina a été formée à la fabrication de savon artisanal. Les détails avec Mika Rangiamboulas sur les images de Arfid Rakoutmanal. La population du district de Suavnanjin, de la région d'Itas, se plaint de la hausse incessante du prix des produits de première nécessité au PPN. Les prix des PPN ont doublé par rapport à l'année précédente, selon les représentants de la population. Le prix du savon, parmi tant d'autres, a connu une hausse exponentielle, d'après toujours les représentants de la population, qui ne supportent plus cette hausse des prix continuelle. La population utilise de moins en moins de savon pour la lessive et pour leur hygiène, accroissant le risque de contracter des maladies. Pour aider la population face à cette situation, une formation sur la fabrication de savon artisanal a été dispensée aux habitants. Outre la hausse du prix des PPN, ce district, à l'instar de tous les autres à Madagascar, connaît un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Selon les précisions, ainsi, la fabrication de savon artisanal permettra également de soutenir ces jeunes car cette initiative va créer des emplois. Les activités relatives au tourisme se multiplient à Madagascar en vue de l'atteinte de l'objectif à terme du 1 million d'arrivées touristiques. Chacun a sa part de responsabilité dans la promotion du secteur tourisme, raison pour laquelle la plupart des Malagas organisent des événements touristiques. Les touristes sont plus intéressés par les événements musicaux et culturels puisque le goût de la musique réunit les êtres humains. Quel que soit leur pays d'origine, selon le vieil adage, la musique adoucit les mœurs,
Ainsi, des événements de ce genre seront organisés dans les lieux touristiques de Madagascar, tels que Sainte-Marie et Nous Bay, pour capitaliser les séjours touristiques à Madagascar. Passons maintenant aux actualités internationales. Informé au Sahel sera-t-il bientôt mission impossible, reporter sans frontières le craint. Dans son rapport publié ce lundi, l'ONG décrit une dégradation des conditions de travail des journalistes, des médias locaux et internationaux, pris en étau entre les menaces djihadistes et la pression des autorités. Samedi, les correspondantes du Monde et de Libération ont été expulsées de Burkina Faso. La semaine dernière, c'était France 24 qui en était suspendue. Reportage. Le constat de Reporters sans frontières est sans appel. Le Sahel est en train de devenir une zone de non-information. L'enquête couvre la dernière décennie, depuis l'assassinat au Mali de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et s'intéresse à 6 pays de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Tchad. Les conditions d'exercice du journalisme s'y sont fortement dégradées en 10 ans. Écoutez. Le Sahel est une zone difficile en matière de couverture. C'est une zone également où on peut enlever des journalistes. C'est une zone où des militaires peuvent forcer des médias à dire ce qu'ils veulent. C'est également une zone où des États ou des gouvernements essaient de restreindre un peu l'accès à des zones. La désinformation est quelque chose de très réel dans l'espace sahélien, avec surtout l'émergence de Wagner, des milices de Wagner. Reporters sans frontières appelle les États mentionnés, les États concernés, à respecter la liberté de la presse et salue au passage quelques initiatives résilientes comme ces services naissants de vérification de l'information, par exemple Mali Check, Africa Check ou encore Desinfox Tchad. Voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. À tout de suite.